dweller. And in sports, under 17 Lions are currently in camp in Tunisia preparing for the upcoming under 17 African Nations Cup of Nations coming up in the days ahead. As it stands, all medical obligations have been fulfilled and approved by CAF. This newscast tells us what is at stake. And those were our top stories. Hello, viewers. Thanks again for watching tonight's primetime Balogun newscast on Spectrum Television. We talk the National Assembly in the French language with Oriane Duncan. Good evening, Oriane. Bonsoir, Joséphine Bindi. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue au journal. On démarre en politique. Chambre haute du Parlement. Marcel Myat Ndjifendi, réélu à la majorité absolue à la tête du Sénat ce 19 avril. Le président de la Chambre haute a obtenu 97 voix contre un bulletin nul. Score idem pour le premier vice-président sortant, Aboubakari Abdoulaye, reconduit à son poste. C'était au cours d'une plénière présidée par le doyen d'âge René Zengeli. Les membres des 9 commissions générales du Sénat ont par la suite été élus, marqués par l'entrée de 5 nouveaux visages, dont 3 secrétaires et 2 vice-présidents. Cette plénière met un terme à la session de plein droit, ayant démarré le 11 avril dernier. Les sénateurs se sont donné rendez-vous pour le mois de juin prochain, ceci pour la première session ordinaire de la 3e législature. Je vous propose à présent d'écouter, au sorti de cette session, quelques sénateurs. Ils sont au micro de Olivier Bouzique. Je suis Tizi Trouma Malaï, de l'arrondissement de Figuil, sénateur FSNC Nord. Je suis comblé de joie, une joie immense, je dirais même ému, parce que c'est une grande fierté pour moi d'arborer ces attributs du jour. J'en suis très ravi et je profite de cette circonstance pour remercier le chef de l'État. Today I am so happy. I give God the glory for giving me the opportunity to be recognized as a senator in Cameroon. It is a big, big responsibility that has been given me. And I am so encouraged and motivated. And it is like an assignment that has been given to me. So I have determination to go back, to be able to fight for my people, to be able to help my people to develop first themselves and then my division itself to grow globally. De joie et de fierté, puisque pour arriver là où nous sommes maintenant, ce n'était pas un cours d'eau très calme. Il y a eu beaucoup d'eau à couler sur le pont, mais grâce à Dieu, nous sommes là où nous sommes aujourd'hui. Senator von Lekunze Nembo Andreas, senator of the Southwest region. My impressions are exceedingly positive because the spirit of democracy in Cameroon and the process of decentralization is on the positive move. And I want to underscore here that the acceleration of the decentralization process that is going to bring greater powers to the people is going to come from the senators who are representatives of decentralized territorial collectivities. And it is our duty to ensure that Cameroonians at the lowest parts of the suburbs enjoy the fruit of the national cake. Honoré, très honoré et très contente que Dieu nous prenne longue vie. Et je remercie le président de la République, le président de notre parti, le RDPC, de m'avoir fait confiance pour une énième fois. Et toute l'équipe du comité central qui nous ont appuyés, accompagnés. Je remercie beaucoup. Que Dieu le garde. Merci. Longévité. Olivier Bibou Nissac, le professeur Alain Foguet, les autres militants du MRC, condamnés dans le cadre des marches blanches, étaient à nouveau à la cour d'appel du centre ce 18 avril. Plusieurs requêtes ont été rejetées par la cour. C'est du moins l'avis de Maître Méli qui a répondu à quelques questions de notre reporter sur place à Yaoundé, Olivier Bouzique. Cette première série avait donc 6 requêtes en appel. Et la deuxième série, c'était
24 requêtes en habeas corpus qui ont été introduites depuis le 5 décembre 2022 et qui sont encore en cours d'examen par le même juge Canas Gaston Chrysostome. Donc, pour les 24, il avait 15 affaires en délibéré et 9 autres qui revenaient comme des affaires sur renvoi. Donc, pour le résumé de l'audience, ce que nous pouvons dire, c'est que les 15 affaires qui étaient mises en délibéré, dans lesquelles il y avait l'affaire de Bibou Nissak, Olivier Ulrich et 14 autres, toutes les requêtes ont été rejetées et curieusement, le juge a statué sur la demande de Kesso Bevo Alexis qui a été libéré en début du mois de mars par la cour d'appel et que le juge aujourd'hui n'a pas voulu prendre acte du fait qu'il est encore en liberté et a aussi rejeté sa requête de mise en liberté. La nouvelle du jour, c'est que nous avons quelqu'un qui était déjà en liberté et que curieusement le juge refuse de prendre acte de ce qu'il est déjà libéré par une autre décision et rejette carrément et simplement sa requête. Et les procédures en appel qui concernent les Foguet et 5 autres ont été reportées également au 2 mai parce que le juge, tant qu'à Gabriel Pascal, estime qu'il ne peut plus juger les professeurs Foguet et autres et que l'affaire sera connue par un autre vice-président, le président d'Achoua. Les délais impartis par le groupe de travail du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies sur les détentions arbitraires, ce qui était de 6 mois qui court à partir du 4 novembre 2022, expire le 4 mai. Donc, nous continuons la bataille. Nous allons saisir à nouveau la cour d'appel pour que la cour d'appel puisse se prononcer. Et nous pensons qu'il y a déjà un cas, le cas de Alexis Kesso Bevo, où la cour a pris son courage pour libérer ce militant qui était condamné à 5 ans de prison et après avoir constaté que les faits pour lesquels il était poursuivi n'étaient pas établis. And we talk subsidy in the cocoa and coffee sector, where the Development Fund has announced a decrease in subsidy granted to local producers, a situation caused by the global economic crisis in parts of Europe and the fallout of the COVID-19 pandemic. Oni Ladonet with more. The current economic crisis experienced across the globe, precisely the COVID-19 pandemic and the Russo-Ukrainian crisis, has influenced a decrease in the subsidy granted to producers of coffee and cocoa. From 7.5 billion CFA francs injected in 2022, 1 billion CFA francs has been deducted, with the remaining 6.5 billion to be divided as such. 5.2 billion CFA francs for cocoa and 1.3 billion CFA francs for coffee. On April 17, 2022, the Farmer Subsidy Program held its fourth steering committee session under the leadership of the Minister of Agriculture and Rural Development, Gabriel Bairobe. This session looked on these subsidies granted to local producers, encouraging the increase in national cocoa production to 640,000 tons by 2030. The objective set for coffee is to reach over 160,000 tonnes by 2030. Comment prévenir les risques sociaux face à la réalisation des projets de développement? C'est la problématique qui a réuni les acteurs sociaux ce 18 avril à Yaoundé au cours des travaux présidés par Pauline Irène Guéné, le ministre des Affaires sociales. L'objectif était de présenter le compte rendu de la mission d'experts déployée sur le terrain. On fait le point avec vous, Olivier Bouzic.
entre déguerpissement des populations, indemnisation, recasement et autres, la réalisation des projets de développement sur le terrain est confrontée à de nombreux risques sociaux de la vie d'espère. Tu étais là, tu étais déjà habitué à pouvoir bien vivre là. Et puis maintenant, alors, on est venu tout arracher et vous êtes obligé soit de partir, soit alors de subir ce qu'il y a là. Tout ce qui va vous arriver maintenant, vous allez croire que c'est parce que la tête de votre père n'est plus ici que vous êtes en train de souffrir. Ça, c'est un risque aussi. Psychologiquement, vous ne tenez plus. C'est le principal constat fait dans le rapport des consultations interrégionales effectuées par une équipe d'SPR présentée ce 18 avril à Yaoundé. L'objectif étant d'élaborer des indicateurs de suivi et évaluation en vue du contrôle de la conformité sociale des projets. Le projet prend par exemple tout ce que vous aviez et maintenant toutes les plantations sont totalement détruites. Alors comment les gens là vont faire? Alors maintenant là, on commence à faire ce qu'on appelle AGR. Activité génératrice de revenus. C'est pour dire que okay, ces gens qu'on a enlevés ici, comment on va faire pour que ces gens puissent vivre? Parce qu'en fait, les populations doivent vivre. Donc, à ce moment-là, donc, le projet prend de pouvoir mettre une rubrique qui concerne, donc, par exemple, de nouveaux revenus pour les paysans. Il est question, en outre, de renforcer les capacités de ces acteurs issus de diverses administrations sur le mécanisme de contrôle du volet social de chaque projet. Pour une coordination harmonieuse, il faut renforcer les capacités de ces acteurs pour qu'on puisse effectivement prendre en compte cette dimension sociale à son maximum des riverains. Parce que le tout, ce n'est pas de mitiguer, n'est-ce pas, les risques sociaux, mais il faut également bonifier ce qui peut être fait. Ces travaux, présidé par Pauline Reine Guéné, rentre dans le cadre de la participation du ministère des Affaires sociales dans la mise en œuvre de la SND 30. Respect des actes d'urbanisme, la CUD passe de la parole aux actes. La communauté urbaine de Douala mène une opération de casse des maisons érigées sans permis de bâtir. Ce 14 avril 2023, c'est au quartier Bonapriso, dans le premier arrondissement de la ville de Douala, que les engins destructeurs ont agi. Inès Pangang et Julie Pau. La vieillesse de cette croix de Saint-André renseigne sur l'indélicatesse du promoteur de cet immeuble en construction. Apposée en 2022, c'est ce 14 avril 2023 que les personnels de la communauté urbaine de Douala passent de la parole à l'acte. Au-delà du non-respect des règles d'urbanisme, les constructions érigées sans permis de bâtir, parce que la ville n'a pas pu veiller au respect des règles de construction, représente un risque pour les populations. Si quelqu'un réside dans ce genre de construction dans laquelle nous n'avons pas vérifié la qualité de la construction, comme on le voit régulièrement ces derniers temps, des maisons s'effondrent. Donc il est question de rappeler aux populations la nécessité de respecter les règles d'urbanisme de construction dans la ville de Douala. Une opération qui rentre dans un programme mené par l'institution pour que changent les mentalités en matière de respect des actes d'urbanisme. C'est une vaste campagne qui est menée par le maire de la ville pour ramener, sensibiliser les populations à se mettre en règle, à se diriger vers le guichet unique qui est la structure de la ville en charge de délivrer les actes d'urbanisme. Les témoins de la casse au quartier Bonapriso dans le premier arrondissement de Douala saluent cet acte tout en prévenant sur la nécessité de toujours respecter les droits des citoyens. Et d'une communauté urbaine à une autre, rendons-nous à présent dans celle d'EDEA qui vient d'acquérir une niveleuse. Le nouveau équipement est arrivé dans la soirée de ce 17 avril 2023. Dans la ville Lumière, l'engin va aider à la résolution des problèmes de certaines routes dégradées du fait des pluies. Inès Pangan. La ville d'EDEA en fête dans la soirée de ce 17 avril 2023. Un cortège animé de cris, de klaxons de voitures et de motos accueille le nouvel équipement de la communauté urbaine d'EDEA, une niveleuse. Dans les rangs de ce comité d'accueil, le maire de la ville d'EDEA, le docteur Albert Emmanuel Lent, les grands conseillers, les acteurs du secteur de mototaxi et les populations.
L'infrastructure va aider à résoudre les problèmes de circulation sur certains axes de la ville Lumière, devenus impraticables avec le retour des pluies. Amplement utilisée dans les travaux publics pour la construction des routes et des voiries, la niveleuse est un engin puissant au physique imposant. Elle permet d'égaliser d'importantes surfaces de sol et d'effectuer un réglage précis en respectant les inclinaisons du terrain grâce à son articulation et à son bouclier. C'est une machinerie lourde que de nombreuses entreprises de travaux publics possèdent dans leur parc de matériel. We now talk religion, where the 48th plenary session of the National Episcopal Conference has taken place in the nation's capital, Yaoundé. It has been presided over by His Lordship Andrew Mfwanya Nkeya, with certain resolutions arrived at during the last plenary session. A roundup of the conference in this excerpt, cut for us by Olivier Mbuzike. The focus of this session is to examine the works of our commissions, the 14 commissions of the National Episcopal Conference, and secondly, to examine some of the daily issues that affect our social and our political life within the country. We are looking at some of the social malaise, the high prices in our country, the lack of peace in our country, and the insecurity. We are going to see how we, the bishops, can collaborate together to make sure that the situation in our country gets better. The first point is that we all, military, separatists, everybody must realize that force can never bring peace, and that we all must pray, love one another, and collaborate with each other in dialogue, and that will bring us durable peace. This is very important. I want to sincerely appeal to all the Cameroonians in this country. It's a very strong appeal. Please stop killing one another. We are all citizens of this country. We love our country, and we want each one to have a place in this country. No matter the situation, the fifth commandment of the Decalogue says, "Thou shalt not kill." And we are begging Cameroonians, stop killing one another. It is only with this mentality that we can each continue to live in peace. And moving over to the market, we talk Ramadan, where market shelves are full of colorful fabrics and shining jewelries depicting the season. Ramadan festivity is 2 days, and Oni Ladonet tells us what the euphoria is like in Muslim communities in the nation's economic capital, Douala. The feast of Ramadan has come knocking, and like any other celebration, it requires special preparation. At Marché Congo in the Douala 2 municipality, beautiful clothes and fabrics are on full display, waiting for customers. Business has been slow this year. You can see for yourself, we have displayed everything, from clothes to jewelries, but no one is buying. We thank God. We have gotten the little we could get, but business is still slow. Many people are facing financial hardship at the moment. The prices range from 25,000 francs right up to 80,000 francs, depending on the quality. We sell depending on the quality. Bazin are sometimes expensive. The customer makes his or her choice, and we fix the price. The least expensive is 25,000 francs. The most expensive is Gesner, which is 60,000 francs. When we sew it into a dress, it costs over 80,000 francs. The long flowing robes, tops, and kutas worn by men go perfectly with these nice fitted footwear, which is why they are in high demand. A feast is not an ordinary day. Some activities thrive during this period, just like the footwear I'm selling. Business is moving. We have tailors who sew dresses that require these shoes, so they buy them. They buy this alongside mats, caps, and other items. Business will increase as the day goes by. As from today right up to Friday,
We are expecting to see a change. We have shoes that sell for 15,000 francs for both men and children. These are imported products. It's not fabricated in the country. Oui, ça coûte 15 000. Ou que c'est importé, ce n'est pas les chaussures qui sont fabriquées ici dans notre pays. All requirements must be met at the household level before the D-Day. On est en train de préparer le Ramadan. Oui, je suis là pour acheter les petites choses, même le chapelet que je vais. I am yet to buy some necessities. I want to get a rosary which I will take to the mosque. Look for some clothes for my kids. We are happy to see the end of Ramadan. The price of these items are very expensive. A rosary sells at 2,000 francs. I'm even begging to buy at 1,000, but he's refusing. Times are hard. We are managing what we have. On se débrouille avec le peu qu'on a. Se débrouille avec le peu qu'on a. The menu has been fixed. J'ai déjà commencé, j'ai déjà écrasé mon couscous. I have ground my corn. I have seasoned my chicken. I will pass by Smashi Sanaga to buy vegetables and tomatoes. I want to prepare everything before the D-Day. I want to go to prayers knowing fully well I have prepared everything. I will just come back and serve. These festivities bring to a close the 30-day long fast and backed on by Muslim faithfuls across the world. On parle au sport football à présent, en prélude à la Coupe d'Afrique des Nations des U17 qui se tiendra en avril, du 29 avril au 19 mai prochain. La CAF vient de valider le test IRM obligatoire. La mesure vise à réduire les cas de fraude sur les âges lors des compétitions sportives. Léla Rengansu. Actuellement en stage en Tunisie où il prépare la Coupe d'Afrique des Nations, les Lions indomptables U17 du Cameroun, tenant du titre, devront, comme les autres 11 équipes engagées dans cette compétition, passer un test d'éligibilité IRM avant le début du tournoi le 29 avril prochain. Le comité exécutif de la CAF vient en effet d'approuver les recommandations faites par la commission d'organisation du football jeune de la CAF et la commission médicale de la CAF d'amender l'article 27 du règlement intérieur de la CAN U17 Total Energy. Le test sera effectué conformément au protocole de la CAF dans un établissement de santé, muni d'un appareil d'imagerie par résonance magnétique, avec le coût pris en charge par la CAF, qui se réserve d'ailleurs le droit de faire un autre test d'éligibilité IRM pour les joueurs. En cas de fraude sur les âges, les joueurs concernés sont suspendus s'ils ne dépassent pas 3. L'équipe, quant à elle, est suspendue si 4 joueurs sont incriminés. La mesure vise à mettre un terme aux fraudes sur les âges lors des compétitions sportives. Toujours en sport, cette fois-ci volleyball, le projet baptisé Refondation, lancé par la Fédération camerounaise de volleyball, dirigé par Serge Abouen, a 10 ans. En 10 années, qu'est-ce qui a été fait sur le plan du management, d'organisation des compétitions nationales et internationales, en passant par le marketing? Élément de réponse dans cet extrait de la conférence de presse spéciale bilan de la Refondation, donnée récemment à Yaoundé par Serge Abouen. En termes de management, il y a 10 ans, nous avions pour mot d'ordre faire du volleyball un produit olympique. La question est de savoir aujourd'hui, est-ce que nous avons ce produit-là après 10 ans? Est-ce que le volleyball est un produit qui se vend? Est-ce qu'on peut faire la promotion du volleyball? Si le produit existe, pour parler de manière plus simple, est-ce qu'il est comestible? Est-ce qu'il est bon? Et pour atteindre ce produit, nous avons fait ce qu'on appelle une sectorialisation ou bien des composantes. La première composante était, j'allais dire, adressage territorial du volleyball camerounais. Et là, c'était les aspects promotion, animation et vulgarisation. Est-ce que cet objectif a été atteint? Au moment où je vous parle, je puis vous dire que le volleyball se joue un peu partout au Cameroun.
Nous avons 83 ligues d'arrondissement. Nous avons 46 ligues départementales. Nous avons 10 ligues régionales. Nous avons 4 secteurs. Je crois que nous pouvons être fiers de ce que, certainement après le football, qui peut avoir cet ancrage territorial, l'Africa Volley soit en matière de maillage du territoire national la fédération la plus implantée au Cameroun. Voilà qui met un terme à cette édition d'information. Mesdames et messieurs, merci d'avoir été des nôtres et bonne suite des programmes sur Spectrum Télévision. Bonne soirée, Joséphine Bindi. Good evening to you, Oriane. Good evening to you, viewers. Thanks for watching. Good night.